Voici une nouvelle vidéo sur les cartes Magic The Gathering et plus particulièrement sur la nouvelle édition qui est sortie le 25 septembre 2020, Zendikar Rising ou Renaissance de Zendikar. C'est une édition donc qui est récente et on a commandé quelques petits accessoires, articles de cette édition. Donc on revoit le colis, on a profité en même temps pour acheter plusieurs trucs différents. Donc on va ouvrir le carton pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Hop. Et voilà. Alors c'est parti, on a pas mal de choses à découvrir ensemble. Donc on va aller regarder. Alors qu'est-ce que l'on a là sous les yeux? Une nouvelle édition, le bundle Zendikar Rising. Donc c'est un bundle qui contient 10 boosters, un bundle en VO. Donc il contient 10 boosters, normalement il y a 20 terrains foil, 20 terrains normaux, il y a un dé, il y a une carte alternative a priori, et puis bon la box pour ranger, donc qui est pas mal, on va le mettre ici. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a dans ce carton l'édition complète des 280 cartes en version française. Donc ça c'est super sympa, pour les collectionneurs c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ça c'est sympa. Ah les fameux boosters. Donc une boîte, un set de boosters, Zendikar Rising. Donc c'est les fameux, ces fameuses sets en VO uniquement. Donc ce sont des boîtes qui contiennent que 30 boosters. Mais dedans je crois qu'il y a une carte foil dans chaque booster. Donc on ouvrira tout ça dans une autre vidéo. On en a une deuxième ici. Hop, on va mettre de côté. Après, on va continuer les entasser de ce côté. Ça, on va faire un point final. Voilà, on va déplacer un peu le carton. Comme ça, je vais en profiter en même temps pour ranger les boîtes. Faire un bilan plus détaillé de tout ça. Hop, voilà, ces trois boîtes. Et puis, on a donc la troisième ici. Troisième boîte. Donc on a trois boîtes, on va les mettre comme ça. Hop, trois boîtes de cette édition Zendikar Rising en version originale. Oh, ces fameux boosters. On a aussi un premier portfolio, un provider. Ils sont sympas, les providers sont magnifiques. Donc on en a deux providers. Et qu'est-ce qu'on a là-dedans encore? Eh oui, ça c'est les commandeurs. Parce qu'ils ont, pour la première fois, il me semble pas que dans les autres éditions, il y a eu du commandeur. Donc on a les deux commandeurs. Donc ça c'est en anglais. Un anglais, un français. Et puis on va aller voir, si, on va aller prendre les deux autres. On a aussi donc le deuxième en anglais. Donc on a les deux decks commandeurs. Et encore un deck commandeur. Français. Voilà. Hop. Et qu'est-ce que. Et j'ai aussi commandé des petites cartes à l'unité qu'on va ouvrir. Qui n'ont rien à voir avec l'édition. C'était plus pour se faire plaisir. Pour compléter un peu la collection. Donc, hop, on fait un petit point là-dessus sur cette ouverture de boîte. Et on peut voir donc on a les decks commandeurs ici. Donc les deux decks français qui sont là et là. Les deux decks anglais qui sont là et là. On a le bundle en version originale. On a aussi toutes les cartes en version française qu'on va pouvoir ranger dans un probinder. Donc on a deux probinders. Un qui sera pour les cartes anglaises, un qui sera pour les cartes françaises. Et on a trois boîtes de 30 boosters pour les cartes. Pour les cartes anglaises de 30 boosters VO, voilà. Et on a aussi ce petit bonus. Alors, je vais peut-être remettre. Ce que je vais faire, je vais remettre hop le caméscope sur le trépied, comme ça. Et voilà, hop, c'est parti. Et comme ça, on va pouvoir ouvrir tranquillement ce petit bonus. Voilà. Ouais, c'est plus pour compléter la collection, un petit bonus sympa de temps en temps.
quand on peut se le permettre. Alors, hop, on va ouvrir les cartes. C'est facile à ouvrir. Le sens d'ouverture, il est là. Et on a donc, dans ce petit bonus, Invisibility. C'est une carte alpha. Donc, une carte alpha commune. Et on a Iron Star. Là, par contre, c'est une carte bêta. Et il me semble que c'est une carte bêta, une commune. Donc, ouais, ces deux cartes vont pouvoir nous compléter notre collection. Une carte très sympa. C'est, voilà, donc, bon, celle-là, elle est une commune. Donc, on peut voir qu'elle est un peu abîmée. Bon, l'état est pas... On va dire qu'il est... Il est correct. L'état est correct. Celle-là aussi, la carte alpha. Bon, elle est un peu abîmée sur le côté. Mais bon, c'est... Carte alpha, c'est toujours sympa dans la collection. Et on va ouvrir maintenant le ProBinder. Hein. On va découvrir ce qu'il y a dans surtout l'image de ce ProBinder. On en a donc deux qui vont nous permettre de ranger la collection en français et la collection en anglais. Et voilà. Et donc ce ProBinder, on va ouvrir l'image en grand. Et voilà. Alors là, l'image. ProBinder, magnifique. Magnifique sur les terrains de la planète Zendikar, du plan Zendikar. Donc franchement, ProBinder, vraiment très très beau. Donc je sens qu'on va pas être déçu avec cette ouverture de booster. Et je sens que là, ça va être vraiment sympathique. Donc effectivement, on va pouvoir ouvrir tranquillement les decks. Le bundle, on fera sûrement une vidéo avec le bundle. On fera une vidéo aussi avec l'ouverture d'une boîte de 30 boosters qui est ici. On refera une petite vidéo bilan sur toutes les cartes que l'on a eues en ouvrant ces 3 boîtes de 30 boosters. Et puis on fera peut-être une vidéo bilan aussi sur les cartes qui sont à l'intérieur du classeur une fois qu'elles seront rangées. Ce sera un peu le petit bonus final, voilà. Bon ben, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et la première vidéo, ça sera sûrement le bundle qui suivra cette vidéo. Voilà.